l'homme et la femme les plus riches du monde sont français. L'homme, c'est Bernard Arnault, le patron de LVMH. Sa fortune est estimée à 211 milliards de dollars dans le dernier classement Forbes. La femme, c'est Françoise Pétancourt-Meyers, l'héritière de l'empire L'Oréal, fortune estimée à plus de 80 milliards de dollars. C'est la première fois que la France truste les deux premières places du classement. Bernard Arnault a donc dépassé le seuil symbolique des 200 milliards de dollars de patrimoine, un niveau seulement atteint auparavant par Elon Musk et Jeff Bezos. Les deux entrepreneurs de la tech ont vu leur patrimoine baisser et donc ils se retrouvent distancés, notamment parce que Bernard Arnault est l'un des rares multimilliardaires à avoir vu sur l'année son patrimoine augmenter. L'excellente santé du secteur du luxe ces dernières années explique cette ascension fulgurante dans le classement. En 2013, il y a 10 ans, il occupait la 10e place du classement avec seulement 29 milliards de dollars de patrimoine. Françoise Bettencourt-Meyers distance elle aussi les deux Américaines qui complètent ce podium. Elle était l'unique héritière de Liliane Bettencourt qui était elle-même la fille unique du fondateur de L'Oréal.